Comment danser en partant de zéro, votre premier cours de danse gratuit pour démarrer. Si vous ne savez pas du tout danser et si vous avez envie de vous amuser enfin avec vos amis, si vous ne savez pas par où commencer, ce cours est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières bases pour commencer à danser et puis ensuite, vous allez pouvoir progresser avec quelques pas de danse essentiels pour vous amuser à votre prochaine soirée. Donc, prenez vos baskets, on y va dès maintenant. Go ! Ha ! Et pour compléter le cours que vous allez regarder, téléchargez un autre cours gratuit pour vous aider à danser en partant de zéro. Donc, c'est le premier lien dans la description. Allez-y, c'est votre cours gratuit à télécharger. Comme ça, ça va vous aider aussi à bien danser en partant de zéro et à vous amuser avec vos amis. Donc, c'est un complément de ce cours. Allez-y, ouais! Très bien, on se retrouve dans la salle de danse. J'espère que vous avez mis vos baskets parce que là, on y va pour ce cours pour commencer à danser en partant de zéro. Donc, pour bien commencer à danser, rien de tel qu'un bon échauffement. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous me suivez, je vais rester face à vous. On va commencer avec les épaules et puis ensuite, on va descendre jusqu'aux jambes, jusqu'au bassin. Mais voilà, je reste face à vous, c'est plus sympa. Donc, je vais vous indiquer pendant la musique, hein, je mets la musique dans la salle. Pendant la musique, je vais vous indiquer quoi faire, les épaules en avant ou en arrière. Bon, allez, c'est parti, go! Très bien, allez, on y va, on va bien s'installer, on plie un peu les jambes, hein, on a les genoux fléchis, comme ça on est un peu plus stable et ce sera mieux pour la posture. Et on va commencer avec les épaules, on va vers l'avant et ensuite vers l'arrière. On roule les épaules d'avant en arrière. Allez, on fait ça plusieurs fois. Donc voilà, hein, sans trop forcer, hein, bien sûr. Ensuite, allez, on y va de l'arrière vers l'avant. On roule les épaules. Vous avez vu, hein, je relâche mes bras, je suis bien relâché et on respire normalement. Très bien. Ok, très bien. Maintenant, on va faire la droite et la gauche. Alors, pour vous, en face de moi, ce sera sûrement gauche-droite. D'accord ? Voilà, allez, on y va. Très bien. Maintenant, on fait l'autre épaule. Voilà, vous, c'est droite et gauche. Allez, c'est parti. Droite, gauche. Et on accélère. Allez, c'est parti. Sans trop forcer, mais on accélère, on accélère. Ok, génial. Allez, maintenant, on va pousser le buste et ensuite je vais creuser au bas du ventre. Donc je vais pousser, je pousse en avant, puis je creuse. Voilà, comme ça, ça va détendre le buste. Allez, très bien. Allez, on fait ça plusieurs fois. 1, 2, 3 et on va l'accélérer. Vas-y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, un peu plus rapide. Ah, 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 ah. Bon, si ça ne va pas, hein, vous le faites un peu moins vite. Très bien. Ok. Maintenant, on va aller ici. On va pousser, mais que le buste. On garde les épaules droites et on va de l'autre côté. D'accord. On est bien sur les jambes. On va sentir un tout petit peu le poids transféré par, par exemple, la jambe droite ou la jambe gauche. D'accord. On va le sentir. Donc, vous faites ça avec moi plusieurs fois. On doit bien sentir dans les côtes que ça pousse. Allez, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, encore. Très bien, super. Maintenant, on va faire ici. Ensuite, on va devant. Ensuite, on va sur le côté. Et je creuse. Encore une fois. Devant. Et je creuse. Et maintenant, c'est parti. Donc, vous faites à droite. Devant, à gauche et reviens. Encore, à droite, devant, à gauche, reviens. Ok, encore vers l'avant. Et on va s'arrêter au milieu et on va partir. Toujours droite, mais attention, là je creuse. Je pars à gauche et devant. Encore droite, je creuse, à gauche, devant. Et ensuite, voilà, vous faites le sens inverse pour le buste. Voilà. Vous respirez normalement, c'est important, hein? Sinon vous allez être tout bleu. Et surtout, c'est important de bien respirer, quel que soit le mouvement que vous faites. Très bien, on revient devant. Maintenant, super, hein? On est bien relâché, on est bien échauffé. On s'occupe du bassin. On part par là. Donc vous, ça va être à droite, puis à gauche. Allez, droite et gauche. Et c'est parti. Et pas, 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 pam, 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 pam. Encore. 1, 2, 3,
Car voilà, vous sentez hein, qu'il y a des appuis dans le sol avec la jambe droite ou la jambe gauche. Alors il y a un autre morceau qui va arriver. Donc ça, c'est important de bien sentir les appuis, c'est pour ça que je vous fais plier. Et comme ça aussi, ça libère le bassin. Allez, et ta 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 et stop. Très bien. Devant, derrière, bascule devant, bascule derrière. On y va. Et bascule devant, derrière, devant, derrière. Et c'est parti. Et ta 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 ta. Allez, c'est parti. Pa 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 pam pam et bloc. Très bien. Allez, on va partir ici, vers la droite. On creuse. Très bien. On va à gauche. Et devant. Encore. Côté. Derrière. Côté. Devant. Et c'est parti pour un cercle. Très bien. C'est important tout ça parce que ça nous libère le bassin. On a besoin d'avoir aussi le bassin libre. Voilà, qu'on ne soit pas raide. Donc là, pour ceux qui sont ceux qui sont un peu raides, voilà, ça va nous délier un tout petit peu. Très bien, on revient, on va partir par là. On part derrière, on part à droite et devant. Encore à gauche, derrière, à droite, devant. Et c'est parti le cercle, l'autre sens. Allez, alors attention à ne pas faire tout le corps, hein, on fait que ça. Très bien, vous sentez les appuis sur la jambe gauche, la jambe droite? Très bien. Allez, encore un peu. Et on va pouvoir s'arrêter devant. On revient. Ah, allez, super. Ça va? Allez, on va continuer. D'abord, on va couper la musique. Très bien, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien délié votre buste et votre bassin. Ça, c'est important de toujours bien s'échauffer avant de votre cours de danse. Donc là, on va continuer et on va travailler un petit peu ça, le rebond ici. Hein, d'accord, comme ça, on sent qu'on est bien dans le sol et ça, c'est important. Ça va nous aider aussi pour être bien en rythme sur la musique, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Et on va aussi faire le rebond vers le haut. Là, vous avez vu, je plie, je monte jusqu'en haut du bassin. Donc là, tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec le bassin, avec le buste, pardon, pas le bassin, le buste, eh ben, ça va nous servir, d'accord? Comme ça, on va faire du rebond et ça va monter jusqu'au buste. Donc on va faire ce rebond-là. Et puis, si important aussi, c'est travailler les appuis. Travailler les appuis. Là, par exemple, je le fais vers le bas. Vous avez vu, je change de jambe, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Je me mettrai dos à vous hein, aussi tout à l'heure, hein, qu'on va le faire en musique. Et ça, c'est important de bien sentir le poids du corps. Et puis comme ça, quand on va faire les pas de danse, hein, ben, on sentira qu'on est sur la jambe droite ou sur la jambe gauche. C'est important de savoir sur quel appui vous êtes pour commencer à danser, et puis commencer à se déplacer, et surtout pour commencer à prendre du plaisir en dansant. Donc là, on va y aller en musique, vous allez me suivre. Donc moi, je me mettrai de dos comme ça, hein, et vous allez voir que je vais me mettre vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Ou alors, quand je vais faire ça, ça va être vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. D'accord? Et puis comme ça, je me tournerai aussi de temps en temps face à vous. Ça va? Donc, on y va en musique. Go!
Très bien, ça s'est bien passé en musique. Bon, je vais vous redonner des petites explications. Ce qui est important, hein, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir le rebond vers le bas. Comme ça, on travaille les appuis, on travaille notre rapport avec le sol, et puis ça va nous aider hein, pour le rythme tout à l'heure. Donc là, c'était vers le bas. Ensuite, j'ai fait ça. Donc là, c'est pour avoir aussi le rebond vers le haut, pour que ça puisse hein, aller jusqu'au buste. Et comme ça, on est un peu plus cool, voilà, on est moins raide. Ça va nous servir, tout ça, à être beaucoup plus souple dans notre danse, d'accord? Donc, on va jamais danser les jambes tendues. On va toujours avoir les jambes fléchies pour avoir cette coolitude, pour avoir ce relâcher, hein, pour qu'on soit bien dans notre danse, hein, pour qu'on puisse faire vraiment des pas de danse à l'aise. Ensuite, je vous ai montré ensuite les appuis. Hein. Quand j'étais comme ça sur ma jambe droite, je voulais que vous ayez bien le poids à droite. Et puis comme ça, on dégage, on va sur la jambe gauche et on dégage le poids à droite. Et comme ça, on passe de l'un à l'autre pour travailler l'alternance du transfert du poids de corps. Ça, c'est important, comme ça, on comprend bien. C'est vrai qu'on commence des fois, on ne sait pas trop comment ça se passe. Bah, c'est tout simple, hein. On transfère le poids du corps d'une jambe à l'autre. Et c'est pour ça que là, je vous fais travailler ici, d'abord vers le sol, hein, plutôt bien fléchi. Et ensuite, tout à l'heure, je vous ai fait ça, et c'était pour travailler aussi l'alternance, mais on veut aller chercher un peu plus vers le haut, et comme ça, ça sera en rapport avec le rebond vers le haut. Hein. On a le rebond vers le bas, rebond vers le haut. Donc là, c'est en rapport avec le rebond vers le haut, d'accord? Mais il y a toujours ce transfert de poids d'une jambe à l'autre. Et vous avez vu, hein, j'ai pas les jambes tendues, hein, je suis pas comme ça, hein, d'accord, hein, c'est pas le transfert comme ça, c'est pas un Playmobil, comme dirait une personne sur YouTube que je connais bien. Donc là, attention, là on garde les genoux fléchis. Ça c'est très important, ça va vous servir à être beaucoup plus souple quand vous allez danser. Donc quand vous dansez, pas de jambes raides, toujours les genoux relâchés, les genoux fléchis, et vous respirez, et on aura ce petit rebond tout le temps. Ça va nous servir si on fait des pas un peu plus afro, et ça va nous servir aussi si on fait des pas un peu plus swing aussi, ou un peu plus disco. Très bien. Bon, j'espère que ça va. Je vous ai parlé du rebond, et je vous ai dit que ça allait nous servir pour le rythme. Eh bien, parlons-en. Avant de commencer à danser, c'est très important, je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos, c'est le rythme. Quand vous êtes en soirée, quand vous êtes chez vos amis, quand vous voyez les autres danser, eh bien, ils vont pas danser comme ça, hein. Il y a la musique qui prime, bien sûr, et il y a le rythme qui prime, et il faut écouter, ben, qu'est-ce qui va vous guider un petit peu dans cette musique. Il y a vraiment un élément important, j'en parle souvent, c'est la batterie, et surtout la batterie qui fait le rythme, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Alors bien sûr, ça c'est un rythme de base, on ne va pas l'entendre dans toutes les musiques, par exemple, on va peut-être entendre que le poum, 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 hein, donc le poum, 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 ce sera, on va dire, la grosse caisse, la basse, et le tchac, c'est ce qu'on appelle l'aigu, le snare, et c'est ce que vous allez trouver dans une batterie, d'accord? Donc là, c'est ce que vous allez trouver dans une batterie sur la caisse claire, hein, bien sûr. Donc là, ce qu'on veut repérer dans la musique, c'est le poum, tchac, poum, tchac, hein, un truc de base. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va rythmer le poum, tchac avec le rebond. Donc par exemple, ça va faire poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac avec moi, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, d'accord? Donc je vais vous laisser repérer dans la musique, hein, je vais mettre une petite musique là qu'on a utilisée, vous écoutez bien le poum, tchac, poum, tchac, et ensuite on se met dessus, soit on fait le rebond vers le bas, soit on va faire le rebond vers le haut, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Bon, on arrête avec les poum tchac, on y va directement en musique, c'est parti!
Très bien, j'espère que ça s'est bien passé avec le poum, tchac, poum, tchac. Une fois que vous avez bien repéré ça, hein, vous avez bien repéré ce rythme, et bien ça vous donne la pulsation. Ce qui est important de bien comprendre en musique, c'est souvent on va danser sur des musiques à 4 temps. Vous avez des 4 temps, des mesures à 4 temps qui n'arrêtent pas de défiler pendant toute la musique. Et comme ça, ça vous donne une sorte de tapis rythmique. Ça vous donne aussi des cycles de 8 temps. Et bien écoutez, le poum tchac, il va suivre ces temps-là. Et le poum, ça sera les temps forts, le 1 et le 3. Et le tchac, ce sera les temps faibles, le 2 et le 4. Donc ça va faire poum, tchac, poum, tchac, 1, 2, 3, 4. Assez facile à bien comprendre. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, le poum tchac n'est pas forcément présent dans toute la musique, mais on sent qu'il y a quand même cette pulsation qui va être là. Soit il n'y aura que des poums, soit il y aura les tchacs qui vont apparaître un peu plus aigus et qu'on va entendre un peu plus. Donc une fois que vous avez bien repéré ça, eh bien vous serez bien en rythme. Bon, écoutez. On va continuer. Une fois que vous avez bien donc installé le rythme, vous avez bien entendu comment ça se passait, alors vous pouvez même faire que la tête, hein, d'accord, hein. Poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, hein, au lieu de passer par le corps, vous pouvez faire que la tête. Une fois que vous avez ça, eh ben c'est parti, on y va pour les premiers pas de base. Très bien, donc avant de faire le premier pas de base, ce qu'on va faire, on va marcher sur place. Hein, ça va être important. C'est-à-dire que quand vous allez repérer donc le poum tchac, vous allez donc repérer les quatre temps. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir marcher dessus. Donc par exemple, je vais donner 1, 2, 3, 4. On va marcher 1, 2, 3, 4. On va faire juste ça pour s'habituer. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, ça va ? Rien que ça, c'est vraiment important pour pouvoir bien être rythmé et changer l'alternance de pied, le transfert du poids. Par exemple, ce qu'on peut faire, on peut faire 1, 2, 3, 4 vers l'avant et 1, 2, 3, 4 en arrière. Attention, vous êtes prêts ? 3, 4, je marche, 1, 2, 3, 4 sur place, 1, 2, 3, 4 recul, 1, 2, 3, 4 sur place, 1, 2, 3, encore une fois devant, 1, 2, 3, 4 sur place, 1, 2, 3 et 4 recul, 1, 2, 3, 4 sur place, 1, 2, 3, 4. Vous avez vu mes bras ? Je ne les ai pas laissés comme ça. Il faut les tenir, on met un petit peu d'air sous les bras. Les aisselles sont dégagées, ça sèche et comme ça vous avez les bras qui vont bouger. On a les bras un petit peu façon coureur. Donc quand j'ai marché, vous avez vu 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas gardé les bras en bas, je garde les bras ici, au-dessus du bassin et les bras, c'est comme si on courait. Donc ça c'est important, hein, donc pensez-y, je garde les bras au-dessus du bassin, mais attention, pas les bras fixes comme ça, hein. Pas genre le caddie, on laisse les bras bouger, hein, ils balancent. Bon, donc ça, vous allez essayer de garder ça, pas essayer, vous allez garder ça tout le temps pendant n'importe quel pas, puis ensuite on verra, on pourrait vous coordonner un tout petit peu avec les différentes pas de danse qu'on va avoir. Donc là, on a installé un petit peu cette sorte de pulsation là dans les pas, d'accord, dans les pieds, on a alterné, et maintenant, le premier pas de base, eh ben vous le connaissez déjà, c'est celui-là, donc là on modifie un tout petit peu, on est toujours sur la pulsation, on est toujours sur les quatre temps, mais là on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va appeler ça donc le step touch, et vous avez vu ce qui se passe, c'est qu'on va faire un pas, je tape, un pas, tape, un pas, tape, un pas, tape, et je garde toujours mes bras au-dessus du bassin. Et là, on rajoute cet élément de rebond. Ta, 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 ta. Vous avez remarqué ? Donc là, ça c'est important. Je vais installer le rebond. Alors, le rebond vers le haut, par exemple. Et ensuite, je vais partir. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Hein, ça, c'est important. Vous mettez le rebond, comme ça, vous êtes sur la pulsation. Et ensuite, ça y est, c'est bon. Vous êtes dans la soirée et vous commencez à faire ça. Donc ça, c'est assez naturel. Tout le monde fait ça. Hein. Mais surtout, tout le monde fait beaucoup ça. Hein. On va garder les bras ballants. Et puis voilà, c'est un petit peu inexpressif. Non, vous gardez les bras au-dessus. Et déjà,
vous avez une belle qualité de mouvement et ça fait déjà danseuse, ça fait déjà danseur. D'accord ? Donc là, les bras au-dessus et on va garder cette pulsation. Donc je vais compter. Alors souvent, on aime bien compter 5, 6, 7, 8 parce qu'on aime bien les cycles de 8 ans hein, pour les danseurs. Comme ça, ça structure un petit peu nos pas de danse et puis nos chorégraphies. Donc par exemple, je vais compter 5, 6, 7, 8 et puis on part juste après. On part sur le premier temps. D'accord ? Comme ça, vous allez être bien rythmé. Donc là, on y va. Ça fait 5, 6, 7 et 8. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 une dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, ça va? Et c'est un des pas les plus simples qu'on puisse faire avec la marche, bien sûr. Hein. La marche aussi, c'est quelque chose de très simple et c'est aussi quelque chose qu'on va utiliser dans notre danse. Donc là, le premier pas, c'est le step touch. Ensuite, on va voir le deuxième pas de base. Eh bien, tout simple, c'est un step touch double hein, ou alors un pas chassé. C'est-à-dire qu'on va aller se déplacer vers la droite et vers la gauche, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien sûr, vous avez remarqué, j'ai toujours les bras au-dessus du bassin, je cours et j'ai toujours ce petit rebond. C'est ça qui va vous donner le groove, c'est ça qui donne ce bon feeling que ah, la personne, elle danse, elle est pas raide, elle est souple et elle vit un petit peu hein, la pulsation de la musique. Donc là, eh ben, on refait ça. Donc là, vous êtes ici. Donc, par exemple, vous pouvez être là hein, tout petit peu, un petit peu avec le rebond. Je vais donner 5, 6, 7 et 8. On va se déplacer. On fait marche, marche, marche et tape. Marche, marche, marche et tape ou touch. Et on refait 1, 2, 3, tape. 1, 2, 3 et touch encore. 1, 2, 3, touch, 1, 2, 3, dernière fois, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, ça va? On va faire une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'on va commencer par le tout premier, le step touch, et puis ensuite, on va faire le pas chassé, l'aller-retour, le step touch double. Ouais, on y va, ensuite on fera ça en musique. Non, regardez, vous êtes là, vous allez faire 5, 6, 7, 8 step touch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 step touch double. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 step touch normal. 2, 3, 4, 5, 6 step touch double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 step touch normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, on a fait le step touch et le step touch double. Ce sont vos deux premiers pas de base pour commencer à danser. Vous êtes dans une soirée, alors sûrement vous avez déjà fait le step touch et peut-être que vous n'avez pas fait le step touch double. Donc allez-y, faites ces deux pas l'un à la suite de l'autre, mais n'oubliez pas de bien repérer la rythmique, bien repérer la pulsation, bien repérer le poum-tchak-poum-tchak ou alors le poum-poum-poum-poum. D'accord ? On va faire ça en musique et puis ensuite, on va voir d'autres pas de base essentiels pour commencer à danser et surtout être à l'aise en soirée avec vos amis. C'est parti en musique avec le step touch et step touch double. Go !
Super, j'espère que ça s'est bien passé en musique, hein, le step touch et le step touch double. Donc n'hésitez pas, faites bien ces deux pas de base essentiels et n'oubliez pas le petit rebond vers le haut, c'est ça qui va vous donner vraiment un bon feeling et ça, vous allez coller hein, vraiment à la pulsation. Alors bien sûr, moi je développe tout ça dans un programme que j'ai créé qui s'appelle Danser en solo. Vous avez toutes les infos dans la description, donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, je développe un peu plus dans ce programme sur 5 jours pour commencer à danser en partant de zéro. Donc là, eh bien écoutez, on va continuer, on va faire des petites variantes de ce qu'on a vu. Allez, c'est parti. Très bien, on va voir 4 pas de base, 4 pas de base pour pouvoir continuer à danser et rien qu'avec ces pas de base là, vous allez pouvoir vous amuser et faire la fête avec vos amis. D'accord, c'est parti. Donc le premier qu'on va voir, regardez, c'est ce qu'on appelle le grapevine. On va se balader et revenir. Ouais. Et ensuite, on va faire un deuxième pas de base et que vous connaissez déjà puisqu'on va faire le step touch vers l'avant et vers l'arrière. Et ensuite, on va faire ce pas qu'on appelle le V-step ou alors le triangle. Et ensuite, on va faire un dernier pas où on va appuyer en avant dans les diagonales. Et celui-là, il n'y a pas de nom, donc on va faire pause, tap, pause, tap. Ou alors, on va faire pointe, tap, pointe, pause. D'accord ? Pointe, pause, pointe, pause. Donc, c'est parti, on y va. Le premier, c'est le grapevine. On va faire un aller, un retour. Tout simple, hein, c'est ce qui est utilisé souvent dans les danses en ligne. Donc comme ça, ça va vous aider aussi à bien faire des danses en ligne, certaines danses en ligne. Là, on est là, on va marcher. Au lieu de faire un pas chassé, on va faire pause, derrière, décroise, tape. D'accord ? Donc regardez, ça va faire. Et 1, 2, 3, 4. Et on va faire la même chose de l'autre côté, vers le pied gauche, vers la gauche. 5, 6, 7, 8. Donc là, on a fait un aller-retour sur une fois 8 ans. Alors, ça peut être sympa de faire une deuxième fois, comme ça, ça allonge un tout petit peu plus le pas. Donc, on le refait une deuxième fois. 7 et 8, ça fait marche, marche, marche et tape, marche, marche, marche et tape. Super, donc ça, on va appeler ça le grapevine. Oui, c'est un mot en anglais. Hein. On est en train de tresser un tout petit peu avec nos pieds. Donc là, on y va. Bien sûr, on aura le pas de base step touch avant de démarrer, mais là, on y va directement. D'accord ? Et n'oubliez pas, il y a un transfert du poids. Maintenant, vous avez bien compris que c'est important pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir danser. Donc là, on y va. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis quand on est arrivé, step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On verra après qu'on pourra tout emmêler, tout enchaîner. Pour l'instant, on fait un step touch entre chaque pas que l'on va voir. Ça va ? Donc n'hésitez pas, vous pouvez bloquer la vidéo et puis revenir au début pour revoir le grapevine. Là, on va passer au deuxième. Très bien, le deuxième pas, tout simple, vous le connaissez déjà. Tout à l'heure, on a fait le step touch. Ça, super, ça marche bien. Et bien là, on va faire le step touch en se déplaçant sur le diagonale. Regardez, on va faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va revenir 5, 6, 7, 8. Il y a un petit élément sympa pour la coordination. Je sais que pour certains, certaines, ce n'est pas évident. C'est qu'on va faire ouverture, ferme, ouverture, ferme dans les bras. Vous avez vu ? Et je refais ouverture, ferme, ouverture, ferme. On peut même le faire hein, quand on est en step touch ici, normal. On peut faire ouvert, ferme, ouvert, ferme. C'est un premier pas pour travailler votre coordination. Et puis ensuite, quand vous serez à l'aise, vous pourrez coordonner les bras et les jambes. D'accord ? Mais au premier, je fais ouverture, ferme en même temps que mes jambes. Je ferme mes bras ou j'ouvre mes bras. D'accord ? Ça, c'est un premier pas pour la coordination. Donc maintenant, pour le deuxième pas, donc on sait le step touch, mais on va aller vers l'avant, vers l'arrière. Et pour faire ça, on va tourner bien notre buste, soit vers notre gauche, soit vers notre droite. Donc on y va et comme ça, les épaules vont suivre la direction. Donc ça fait 1, 2, je tourne, 3, 4, je reviens, je ne tourne pas encore, 5, 6, là je tourne et je fais 7, 8. Encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, allez, on refait ça. Donc on fait 2 fois 8. Le premier, go. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7 et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors bien sûr, hein, on n'oublie pas, il y a toujours ça, il y a toujours le rebond. Alors c'est pas le gros rebond hein, non plus, hein, mais il y a toujours ça. Il y a toujours ce truc-là et c'est ça qui va vous donner vraiment ce super feeling et cette idée que, ah voilà, là on est plutôt souple dans nos jambes. Donc là, on refait ça, le step touch diagonal ou le step touch avant-arrière. C'est parti, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite step touch et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, j'espère que ça s'est bien passé. Donc là, eh bien écoutez, on va avancer. On va faire le troisième pas de base. Après, rassurez-vous, on va tout résumer et ensuite, surtout, on va essayer de tous les enchaîner. Allez, c'est parti, troisième pas de base. Le troisième pas de base, tout simple. Là, on va vraiment marcher et marquer la pulsation. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il n'y a pas de step touch, il y a marche, 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 marche. Super simple, c'est comme si on marchait normalement, on marque tous les temps de chaque mesure. Donc là, on est ici, on va commencer avec le pied droit, tu pourrais commencer pied gauche bien sûr. Hein. Là, on commence pied droit et on fait dans la diagonale ici, on va faire une sorte de triangle. Donc on va faire ouvert, ouvert, ferme, ferme, d'accord? Donc on va faire devant, devant, derrière, derrière et on ferme et comme ça, ça fait la pointe du V ou alors le triangle, d'accord? Ça fait un triangle. Donc ça fait et 1, 2, 3, 4, deuxième fois 5, 6, 7 et 8. Ça y est, on a fait nos deux mesures et on refait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super facile! Donc là, on refait ça, bien sûr. Le rebond, on n'oublie pas, les bras, on ne les ferme pas. Donc là, on garde ça et on met tout ensemble pour coordonner. 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu le plié juste avant? 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Hein, ce qui arrive des fois, c'est qu'on plie juste avant le temps, hein. On va appeler ça le contre-temps, c'est tous les temps qu'il y a entre le 1, le 2, le 3, le 4, on peut appeler ça les demi-temps, donc on appelle ça les contre-temps, on peut appeler ça les et. Donc des fois je peux faire et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Bon, hey, vous embêtez pas avec ça, mais c'est des notions hein, qui vont nous servir plus tard quand on va faire des pas un peu plus complexes. Donc en tout cas, on plie juste avant de faire notre pas. On refait une dernière fois, donc le triangle, le V-step. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça va? Ouais, très bien. Donc ça, c'est le triangle. Vous avez vu, c'est pas difficile. Marche, 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 marche. Marche, 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 marche. Bon, génial. C'est parti pour le quatrième pas. Et ensuite, on va tout résumer, tout tranquille. Quatrième pas, on y va, regardez. Ça va donner. Je vais vous faire de face pour changer. Regardez, ça va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu là, ça change un peu. J'appuie, je reviens. Un peu comme un rebond. J'appuie, reviens. J'appuie, reviens. J'appuie, reviens. Donc ça, c'est important. J'appuie dans le sol, je reviens. J'appuie, je reviens. Vous avez vu, je ne mets pas tout le pied. Je mets la plante du pied et je reviens. Je mets la plante du pied, je sens le poids ici et je reviens. Transfert du poids, je me suis mis sur ma jambe pour changer et faire la même chose avec l'autre jambe. Transfert du poids, je change, j'y vais. Transfert du poids, j'y vais. Et à chaque fois que je transfère, je plie d'abord. Hein, ce n'est pas un gros plié, je plie quand même. Je n'arrive jamais tendu, je plie, je change le poids du corps, je plie, je change et j'y vais. Super, on y va ensemble.
Donc on va commencer toujours pied droit. Donc je vais plier, je vais faire appui, reviens, appui, reviens, encore appui, reviens, appui. Si je fais les comptes, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, je peux revenir step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce pas, il est un petit peu différent, mais c'est le même principe. J'appuie, je reviens, je change de poids du corps. J'appuie, je reviens, je transfère le poids du corps. Et comme ça, ça me libère l'autre jambe pour pouvoir la sortir et la ramener. Encore une fois, attention, donc ça va donner. Donc n'oubliez pas toujours le rebond, toujours les bras qui sont en train de bouger. Donc vous avez vu, hein, les bras, je les ai à l'opposé de la jambe. Hein, comme ça, ça vous fait une autre coordination. Les bras à l'opposé, souvent, un peu comme dans la marche. Donc là, on y va, attention, ça fait 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est reparti, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, est-ce que ça va, hein? Donc celui-là, on va l'appeler pointe, pause, pointe, pause, pointe, pause. Hein? Comme ça nous donne un petit peu des noms, il n'y a pas de nom particulier. Alors, il est temps d'y aller avec les quatre pas qu'on a vus, les quatre pas essentiels. Comme ça, vous allez pouvoir faire ça en soirée et comme ça, vous allez pouvoir vous amuser. Donc là, on refait tout. Donc, vous avez vu, on a structuré tout ça. On a fait un petit enchaînement avec à chaque fois deux phrases de 8 ans. Je dis des phrases, hein, on peut dire aussi des cycles. Eh bien, écoutez, là, on va tout refaire à partir du premier, c'est le grapevine. Donc là, on est ici. Ce qu'on va faire pour l'enchaînement, comme ça, c'est sympa, ça vous donne des idées pour danser. On va faire un petit step touch pour commencer. Donc, je vais donner 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, un deuxième 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, grapevine et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch et 1, 2, 3, 4, attention, deuxième pas, step touch en avant et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch, et 1, 2, 3, 4, on y va pour le troisième, c'est le triangle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une fois, deuxième 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch, et 1, 2, 3, 4, et le dernier, allez, et pointe, pause, pointe, pause, pointe, pause, avec les comptes, ça fait, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, est-ce que ça s'est bien passé chez vous? Oui, vous avez eu le temps de prendre un café? Non, c'est pas grave, bon, hé, on va le refaire une dernière fois, un peu plus rapide. Et toujours pareil, on met des petits step touch entre chaque pas de danse. Mais bien sûr, vous savez, hein, vous pouvez tout enchaîner. Là, l'idée, c'est pas tout enchaîner, c'est de bien faire étape par étape, pas par pas. Et puis comme ça, vous pourrez faire vos combinaisons. Hein. On n'est pas obligé de faire dans cet ordre-là. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous improvisez. Mais comme ça, vous avez des petites gammes, des petites notes, un peu comme en guitare, vous avez quelques accords. Et puis comme ça, vous pouvez faire une mélodie, vous pouvez faire une chanson. Donc là, c'est pareil. Vous avez des pas, vous les mêlez comme vous voulez et ça va vous faire une petite chanson et ça va vous faire un petit enchaînement pour pouvoir vous amuser avec vos amis. Donc là, c'est parti, on y va, on va faire plus rapide. Donc attention, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, c'est parti, le grébin est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas de base. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et triangle. 3, 4 et 5, 6, 7 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. Et pointe, pause, pointe, pause, pointe, pause, pointe et pause encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, ça s'est bien passé, je le sais que ça s'est bien passé. Et même si ça s'est mal passé, vous pouvez revoir la vidéo en boucle et prendre tout votre temps pour pouvoir intégrer tous les pas qu'on vient de voir. Si vous débutez dans la danse, rassurez-vous, c'est normal, hein, si on bute un tout petit peu sur tel ou tel pas. Le tout, c'est d'y aller tranquillement. Là, on va le faire en musique, mais allez-y tranquillement, il n'y a rien qui presse. Vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois par jour ou une fois tous les jours. Et comme ça, ça va rentrer. Le tout, c'est répétition en répétition. Et puis surtout, bien sûr, avoir du feedback sur est-ce que je fais bien les bons pas. Hubert, voilà, je peux te faire un mail. Et comme ça, moi, je vous dirai oui, les pas, c'est bien. Envoie-moi ta vidéo et puis comme ça, je pourrai te corriger. Bon, ben, trêve de blabla, on y va en musique. Go ! Oui, et n'oubliez pas, en complément de ce cours, je vous invite à télécharger un autre cours gratuit pour vous aider à danser. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez et puis comme ça, vous mettrez votre mail et vous accédez au cours gratuit. Vous le téléchargez, c'est pour vous, c'est cadeau. Ça va vous aider à bien danser et surtout à enfin vous amuser avec vos amis. Allez, téléchargez ce cours gratuit, c'est pour vous. À tout de suite. Génial, j'espère que ça s'est bien passé avec ce petit enchaînement, avec ces quatre pas de danse essentiels, vraiment essentiels pour vraiment danser et vous amuser. Alors moi, je vous recommande, hein, c'est de bien résumer tout ce que vous avez vu et de bien travailler un tout petit peu tous les jours, 15 minutes par jour, vous répétez, vous pratiquez et ça va rentrer. Il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. La mémoire va s'installer, la mémoire du corps va s'installer aussi. Le tout, c'est de pratiquer régulièrement. Alors, faites pas genre une heure là et puis après vous faites rien pendant un mois, ça ne marche pas. Il faut être très régulier dans votre pratique pour que vous puissiez être à l'aise et puis ensuite arriver en soirée et pouvoir être vraiment avec vos amis. Bien sûr, il y a un truc vraiment essentiel, c'est écouter de la musique, écouter les poum-tchak, écouter les poum-poum, écouter des styles variés, du rock, de la pop, du disco, et puis comme ça, vous allez travailler votre oreille, parce que souvent, quand on a des problèmes de rythme, c'est qu'on n'a pas écouté assez de musique. Donc,
écouter de la musique dans la voiture, dans la cuisine, n'importe où, bouger dessus, commencer à sentir la pulsation, le poum tchak ou les poum 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 poum, et puis ensuite vous pouvez commencer à faire votre step touch, vous pouvez commencer à faire vos grapevine et tous les autres pas que l'on a vus. Donc n'oubliez pas, bien sûr, et ça prend du temps tout ça, hein, de bien danser, surtout en partant de zéro, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Donc prenez le temps, répétez, 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 pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et puis surtout, n'oubliez pas de venir voir quelques vidéos sur la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite. Super, j'espère que ce cours vous a plu. On a vu tout ce qu'il fallait pour commencer à danser depuis zéro. Alors bien sûr, hein, j'ai pas pu développer énormément puisqu'on est sur YouTube, donc si on fait des longues vidéos, c'est pas évident non plus. Donc là, je vous invite, là j'ai fait un autre cours pour vous. Allez-y, cliquez sur le premier lien dans l'inscription, vous pourrez télécharger un cours gratuit pour résumer tout ce qu'on a vu et puis pour voir aussi d'autres aspects pour commencer votre voyage, pour commencer votre apprentissage de la danse depuis zéro. Donc là, n'hésitez pas, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Et puis vous verrez, quand vous aurez téléchargé votre cours gratuit, vous parlerez de mon programme Danser en solo. C'est un programme sur 5 jours pour pouvoir danser et être à l'aise en soirée. On reprend toutes les bases que j'ai vues là et puis on en voit d'autres. Et puis comme ça, on fait des exercices, on fait de l'écoute musicale, on fait des exercices de danse pour pouvoir être à l'aise. Et ça, c'est un programme sur 5 jours, donc je vous laisse voir, hein, une fois que vous aurez téléchargé votre cours gratuit pour danser à partir de zéro. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir et ça me fait du bien et ça fait du bien à la chaîne également. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis, n'oubliez pas, vous avez d'autres vidéos que vous pouvez regarder pour apprendre à danser ou alors pour développer, pour progresser en danse. Donc n'oubliez pas, je vous mets quelques petites vidéos ici et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ha!